Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? C'est votre humble serviteur Ritor. J'espère que tous mes abonnés vont bien. C'est bizarre, je sais pas, mes abonnés sont en train de grimper là. Vous aussi, vous aimez les bêtises, hein? Quand ce sont les bêtises comme ça, vous aimez ça. Genre le mec, c'est son travail, il va toujours venir. Et arrêtez ça, les amis, arrêtez ça. Parce que moi, je suis en plein régler actuellement. Dans cette vidéo, on va parler de Fally Ipupa. Ouais, DiCaprio. Ouais. Et le Marabiocho. Voilà. Et de Debordo Likufa. En tout cas, les fans de Debordo Likufa, soyez heureux. Soyez vraiment, vraiment heureux. Donc sachez que cette vidéo elle est dédiée à Fally et à Debordo Likufa. Ceci étant, avant de commencer la vidéo, je tenais sincèrement à m'excuser auprès des fans de Didier Arafat. C'est vrai que je suis en train de dire auprès des fans de Didier Arafat, mais c'est pas auprès de ceux-là qui passent le temps à insulter. C'est pas auprès de ceux-là qui ne savent que s'exprimer avec des injures. C'est pas auprès de ceux-là qui sont en train de détruire l'artiste. Je tenais sincèrement à m'excuser auprès de vous. Parce que quoi, vous m'avez pas connu comme ça. Vous m'avez vraiment, vraiment pas connu comme ça. Et à la limite, j'ai honte. Voilà, j'ai vraiment, vraiment honte. Et je regrette vraiment ce que je fais. Ceci étant, sachez que je suis un homme. Je pique. Pacifique. Mais il y a des moments où les démons sortent et puis on ne se contrôle plus. Donc je tenais sincèrement à m'excuser auprès de ces fans-là. Voilà, ils se reconnaissent parce que beaucoup sont rentrés dans mon inbox, m'ont appelé, m'ont écrit. La plupart, en tout cas, c'était vraiment avec beaucoup de compréhension, mais qui m'ont demandé de ne plus faire ça. Pareil, c'est pas comme ça qu'ils m'ont connu. Voilà. Si vous prenez ça comme une faiblesse, ça c'est vous qui voyez, mais je m'excuse sincèrement. Je m'excuse aussi auprès de l'artiste, juste pour lui dire que c'était un ras-le-bol. Voilà, j'en avais marre. J'en avais vraiment, vraiment marre. Donc j'avais envie de dire le peu que je connais. Sincèrement, excusez-moi. Je vous demande tous pardon. Pardonnez-moi, sincèrement. Pardonnez-moi aujourd'hui, pardonnez-moi demain, pardonnez-moi après-demain. Voilà. Je ne suis pas un homme à clash. Voilà, je ne suis vraiment, vraiment pas un homme à clash. Mais j'ai eu trop mal d'entendre ces propos-là venant de Didier Arafat. Donc je ne me suis pas contrôlé. Veuillez vraiment m'excuser. À vous, ces vrais Chinois là, je vous demande sincèrement pardon. Pardonnez-moi. Hein? Pardonnez-moi. Maintenant, aux autres qui savent qu'insulter, je vous demande pardon. Abstenez-vous de regarder mes vidéos. Voilà, les infos, les réactions que je vais faire là, c'est pas pour vous. C'est pour ces vrais Chinois là et c'est pour les fans de Debordo et les fans, les vrais fans de la musique ivoirienne. Je vous demande honnêtement, sincèrement, du fond du cœur, pardon. Voilà. Je n'aurais pas dû. Et je vais peut-être vous surprendre d'ici demain. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Sincèrement, excusez-moi. Je vous demande sincèrement pardon. À ces vrais Chinois-là. Parce que c'est bizarre. La plupart des Chinois qui rentrent dans mon inbox sont des personnes d'un certain âge. Ce sont des responsables. Ce que je n'arrive pas à comprendre au regard des commentaires que je vois sous mes vidéos. J'ai compris que ceux qui passent leur temps à insulter ne sont pas les vrais fans de Didier Arafat. Ce ne sont pas les vrais fans de l'artiste. Donc vous personnellement, je m'en fous de vous. Je m'en contrefiche. Je m'excuse simplement auprès de l'artiste et auprès de ces vrais fans-là. Je vous demande pardon. Si j'ai choqué plus d'un, je demande sincèrement pardon. Ça ne va plus jamais se reproduire. Voilà, je vais me concentrer sur mon artiste de Bordeaux et me concentrer sur la musique ivoirienne. C'est ça le plus important. Une autre chose. Vous avez remarqué un semblant de clash entre moi et mon petit cagoulé. Mon petit cagoulé, je l'appelle mon premier fils. Il n'y a jamais eu de clash. Il n'y a jamais eu de clash. Il n'y a jamais eu de clash. Voilà. C'est un mouvement qu'on a concocté pour voir un peu ceux qui nous aiment réellement. Ceux qui nous aiment réellement. Il vous le dira dans sa vidéo, il n'y a jamais eu de clash. Mais apparemment,
Comme moi, perso, les gens ne me connaissent pas comme ça. Beaucoup ont été choqués quand je lui répondais par moments pour lui dire de se calmer. Il y a des gens avec qui ici, il y a des fans et des avec qui ici, j'ai eu des griefs. Et vous avez vu que je parle plus d'eux. Mais mon petit cagoulé là, c'est mon fils. C'est mon fils. Je suis l'un de ses premiers fans. C'est moi qui suis allé vers lui. Elle a commencé à soutenir Debordeaux aussi pour son concert. Parce que j'aimais ce qu'il faisait. Donc, dormir tranquille. Ouais. Moi et puis Kagoui, on n'est pas en clash. On est en de très bons termes. On voulait montrer un peu aux gens comment ça se passe, quoi. Et puis, une autre chose, vous dire que c'est pas bien de prendre position quand vous voyez deux personnes en Discord. Voilà, chercher à les réconcilier. Et là, je fais un gros big up à Maro de la force à Déborda. Il fait un big up à toutes ces personnes qui nous ont dit de. Croyant qu'on était vraiment en clash. Vous êtes des vrais fans de Debordeaux. Vous êtes vraiment des vrais fans de la musique ivoirienne. Vous admirez vraiment le cas. Non, franchement, soyez tranquille. Aux vrais fans de Didier Arafat, pardonnez-moi. Didier Arafat, excuse-moi. Voilà. Ceci étant, comme je vous avais dit, on parle de Fally Ipupa. DiCaprio, respect à toi. Vraiment, respect à toi. Vous savez, le mec, il enchaîne concert à succès, à succès, à succès, mais il profite bien de sa thune, il profite bien de cette grâce-là que Dieu lui a donnée. Et il exprime de la plus belle des manières. Après avoir déposé des domaines, pour ne pas dire de grosses maisons à Kin, je ne sais pas même s'il a une maison ou un appartement à un truc en Amérique, aux États-Unis, mais pour ce que je sais, après son grand, 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 grand parc automobile très garni, et ces maisons, ces réalisations à Kin, Fally Ipupa vient de s'offrir un gros cadeau et non des moindres. Je comprends que après ce genre de choses, vous pouvez regarder. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je parle de ce genre de concert là, regardez. Vous voyez, Fally Ipupa peut se faire plaisir avec ça. Voilà, j'ai mis le lien de la description, le lien de la vidéo en description. Vous pouvez cliquer pour aller regarder toute l'intégralité de cet achat-là. Il vient de s'offrir la Bentley 2019. C'est pas rien. Les connaissez ça? Combien ça peut coûter? Donc regardez la vidéo et puis après on en parle. Je suis fier de toi, Fally. Aigle, aigle. Il y a trois clés? Il y a trois clés. Ok, cool. En fait, t'as une clé originale. Ok. T'as la deuxième clé standard. Ok. Et ça, t'as la clé à donner quand tu pars dans un hôtel ou quoi que ce soit et que tu veuilles pas qu'ils aient accès au coffre. Ah, ok. Parce que moi, t'as une clé valet. Ça, c'est la clé alors, valet. La clé valet. La clé valet, tu la laisses dans ta voiture. Alors et comme ça, quand t'arrives dans un hôtel. Là, tu as senti. Mais là, t'as fait. Le bloqué, là, il va. Tout ça, pineux. C'est bon. Abidini. Pardon, souffle. Ah bon? Il est bon, il est bon. Occupez-moi de la tête. Occupez-moi de la tête.
Voilà, vous voyez, ça c'est du Fally Ipupa. Ça c'est du Fally Ipupa. La Bentley 4x4 2019. Le prix concessionnaire, 220 583 euros. Plus de 140 millions de francs CFA. Il a acheté chez le concessionnaire. Et ça, c'est une fierté. Ça, c'est une fierté. Je ne parle pas des stars, mais je pense bien qu'actuellement, Fally Ipupa est la star de la musique africaine qui détient la voiture la plus chère pour l'instant. Voilà. Je ne suis pas en train de parler des cadeaux des fils à papa qu'on leur fait. Je parle de l'artiste qui vit de son art, qui dépense plus de 220 000 euros pour se faire plaisir. Franchement, c'est une fierté et ça, c'est vraiment, vraiment à applaudir. En plus des maisons, en plus des Ferrari, des Rolls et des on va dire quoi encore, des Mercedes, je ne sais pas quoi encore, il vient de s'offrir encore la Bentley 2019. Ah, c'est le prix concessionnaire chez les Blancs. C'est-à-dire, s'il veut mettre un bateau pour venir, ça va continuer à grimper. Donc, gros big up à toi, Fally Ipupa. Moi, perso, je suis très fan de ta musique et puis très fan de ton style de vie. Merci. Ton corps même, tu contrôles vraiment. Tu contrôles vraiment. Les concerts, on voit ton album qui se comporte bien, tout ça là. Vraiment, tu l'exprimes à travers ce genre de gestes là. Et moi, j'en suis vraiment fier. Donc, c'était ça, le cas Fally. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, je vends la mèche. Fally vient de s'acquérir la Bentley 2019 à plus de 220 583 euros. Prix bord champ. Prix concessionnaire. Voilà. Ceci étant, fans des Bordeaux, sautez, criez, soyez en joie et restez serein. Vous devez comprendre une chose, des Bordeaux, l'Ikoufa ne peut jamais, écoutez-moi bien ce que je dis, ne peut jamais, jamais tomber. Il ne peut jamais, jamais tomber. Parce que ce qu'il vous réserve, c'est du lourd. Et bientôt, il sort de son silence, les amis. Tout Paname l'attend actuellement. Toute l'Europe l'attend actuellement. Tous ses fans sont en transe. Parce que ses fans veulent lui rendre hommage après tous ces moments difficiles qu'il a traversés là. Donc, sachez que vous serez vraiment, vraiment servi. Servi de chez servi. On parle de Bordeaux Likoufa, on va parler de 2 à 10. Moi, Dieu sait que je suis fan de Bordeaux Likoufa. Et ça n'a pas changé. Peut-être ma manière à moi d'être fan dérange, mais c'est comme ça que je suis. Fan de Bordeaux, soyez en joie, soyez en transe. Parce que les bombes musicales qui sont en train de venir, c'est pas bon. Avant sa tournée européenne, il va nous laisser quelque chose. Il sort bientôt de son silence, donc soyez prêts. On doit démontrer notre amour à Debordo Likoufa. Les gens sont en train de dire qu'il est fini. Mais il vous en prendra là. Il va contrôler les games. Il va contrôler ça. Grave. Un puissant artiste comme ça qui ne parle pas, qui ne dit plus rien qui est dans son coin. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur? Aïe, 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 aïe. Ok. Bon. C'était la petite défense de Bordeaux. Hein. Ce soir, je vous sur notre artiste de Bordeaux, donc soyez branchés. Voilà, on commence à accélérer les choses. J'ai aussi une vidéo à faire sur Arrêchené, Safari ou Biang. Donc restez branchés. Voilà, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Je vais vous expliquer ça. Ciao, ciao les amis. De Bordeaux, l'Ikoufa. Il arrive en tas.